Velotte, Revelotte et Vise de Der. Ça n'empêche pas que vous êtes dedans. Donc, dépêchez-vous, mes petits enfants, on arrive. C'est bon, le tabac. Quel tabac? Eh ben heureusement que je suis là pour penser à tout, mais enfin, mes petits enfants, c'est pas tout ça. Mais il faut planquer le tabac. Oh, oh tiens, justement, je m'apprêtais à... Oh oui, bon, ben t'apprêtes pas à faire un discours. Allez hop, il s'agit pas de s'en faire piquer. Moi, j'ai pas envie de fumer de la barbe de maïs et du poil de thon. Allez hop, quand tu remplis le pot à tabac, un pot à tabac, ça passe toujours. Et vous, les filles, un paquet de tabac dans chaque paire de chaussettes, comme prévu. Bon, pour nous, il s'agit d'en passer le plus possible sur nous, comprenez-vous? Mais non! Quoi? Bah, c'est pas possible, t'as l'air de Lolo Brigida. Tu crois? Bah, il y a qu'à le mettre en frais dans les poches, puis il lui rentre du feu. Ah bon? Bon. Un momento. Alors maintenant, attention. Préparez vos passeports, prenez vos valises, et pour le reste, laissez-moi faire. Belle bagnole, hein? C'est le dernier cri, ça. Vous avez l'embrayage automatique. Ça part au quart de tour. Et vous allez loin avec ça? Yo no comprendo. Ah, vous ne parlez pas français. Et vous ne comprenez pas non plus. Eh ben, tant mieux. Que j'aurais jamais osé vous dire que je vous trouve drôlement joli et que vous me plaisez beaucoup. Avec des yeux comme les vôtres et une bouche comme un fric au coucou. Papeles, por favor. Frances. Oui. Vous allez à Grenade? Oui. Présentez-vous avec vos bagages au bâtiment de la douane, s'il vous plaît. Bien. Vous m'avez bien lu, hein? Alors, c'est joli, Grenade? Oui, mais il faut que je porte mes bagages à la douane. Bien, mettez. Prenez vos valises, quoi, tu prends celle-là, hop, tchac, tchac, oui, les sacs. Oh, là, oh, là, oh, là. Ah, oh, ben elle est bien bonne celle-là. Chac, chac ici. Tu crois pas que tu ferais mieux de venir nous aider? Excusez-moi. Je te dis de venir ici. J'espère qu'il ne vous a pas trop importuné. Oh, pas du tout. Il est insupportable, toujours dans les jambes des gens, vous savez. Surtout quand ses jambes sont jolies. Pardon. Vous laissez les aider. Maurice! Elle est pas à nous, cette valise! Puis si t'as une main de libre, faut pas te gêner, viens nous aider! Bon, oh, bah ça va, regarde, j'arrive! Cuidado, va usted en sucia mi ropa! C'est par là-là! Por favor, abren sus paletas. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Ouvrez les valises, s'il vous plaît. Mais toutes? Todas. Si. Cuidado, refaites-la au moins proprement. Por favor, su bolso. Quand on n'a pas d'ordre, hein. Ah voilà. Non, je te jure. Hein. Mademoiselle, vous voulez me suivre, s'il vous plaît? Pourquoi? Pour une visite de vos vêtements. Bon. Voilà. Merci. Tomé. Oui, il n'a pas l'air commode, hein.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans? Des chaussures, des chemises, du chocolat. Et des chaussettes. Bueno, ça va, ça va. Des chaussettes. Sinon, t'as pas peur que ça paraisse un peu bizarre, toutes ces chaussettes? Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Pas ce sac. Oh non, cigarrillo. Ah, ça c'est le ravitaillement. Tout en tube. C'est la nouvelle formule. Beurre en tube, lait en tube, sucre en tube, crème arrosée en tube, savon en tube, dentifrice en tube, colle en tube, cirage en tube. Pour la cuisine, il s'agit pas de se tromper de tube. Parce que ça ferait un drôle de ragoût. Ça, shampoing. Tube. Posé. Coquetier. Coquetier jumelle. Gros, petit. Gros, klein, gros. Et ça. Sommeil. Hein? Prends le nez, rhume. Ça, cosy et ton de scudi. Ça, l'œuf pour repriser les chaussettes. Non, non, le poivre, pépère. Le poivre, pépère. Et ça, rasoir patata. Ou alors, vas-y. Hop! Hop! Ah oui, oui, bout spécial renforcé. Si. Alors, si. Alors, mes enfants, maintenant, pas de temps à perdre, on s'en va. Allez. Hey, señor, vous avez oublié quelque chose, là. Merci. Escusa, no, ma, on a reçu des consignes particulières. Mais je vous en prie. C'est tout naturel. Tommy. Ils n'ont pas été trop féroces avec vous? Ah, non, mais ils ont trouvé à qui parler. Moi, j'ai dû leur faire un véritable numéro de striptease. Par exemple. Fais attention. Celle-là est lourde, hein? Celle-là aussi, tiens. Quel joli tissu. Vous vous êtes fait faire ça à Paris. Oui, oui, à la belle jardinière. C'est très chic. Hein? Un peu chaud pour l'été, un peu lourd, un peu lourd. Vous croyez? Ah, je vais en profiter. Je vais me mettre à l'aise. Les soirées sont fraîches en Espagne. Je me mets à l'aise. Hop! Et ben. Yo. Mademoiselle, permettez. Je vous en prie. Permettez. Merci. Ah, quel sport! Mais enfin, n'apportant pas l'air de contrebandier. Là, voilà. Oh, excusez-moi, il faut que j'aille porter ma valise dans la roulotte. Vous permettez que je vous accompagne? Je serai heureuse de saluer ces dames. Mais comment donc, je vous en prie. Après vous. C'est là-bas, tenez. C'est la première fois que vous venez en Espagne? Oui, oui, et c'est même la première fois qu'on va à l'étranger. Et vous allez loin? Séville, Séville. Ah, vous savez, moi je voyage, c'est surtout pour instruire mon fils. Alors c'est votre fils, ce grand jeune homme? Oui, oui. Je vous prenais pour son grand frère. Oh, non, non. Oh, mais si, je vous assure, son grand frère. Tu viens, fiston? Ma femme. Madame? Mademoiselle. Ben dis donc, je crois qu'on va pouvoir partir, hein? Mmh. Ah, ma belle-sœur. Mademoiselle. Mon beau-frère. Mademoiselle. Monsieur. Ma petite nièce. Mademoiselle. Mademoiselle. Pardon. Là. Pardon. On ne saurait prendre trop de précautions. Après vous. Au revoir, mesdames. Mademoiselle. Au revoir, monsieur. Mademoiselle. Au revoir, monsieur. Faites bon voyage. On aura peut-être l'occasion de vous revoir à Séville. Peut-être. Tu viens, fiston? Et je... Ça y est, ouais. En route, en route.
Margarita. Un moment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous allons examiner la voiture. Ça, c'est un peu fort. Nous avons des sortes, señorita.